C'est quoi ça? Non, ça c'est Twitter, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je voulais faire? Ça. Ah! Voilà. Il y a des nouvelles cartes DC, DC Comics. Je suis pas fan de DC Comics. J'aime pas trop les super-héros en fait. Ça, c'est intéressant. Collègue Seigneur des Anneaux? Non, je suis pas très Seigneur des Anneaux justement. Un endroit sûr où on peut acheter des cartes Final Fantasy sur excusez-moi, sur Parkage. Point d'exclamation. Parkage, ouais, vous pouvez trouver ça. Et merci Live of the Fanfo. Merci beaucoup pour le sub. Alors, qu'est-ce que ça donne? F099. Je viens de le télécharger. X1080p un knife, X1080p une faille, urzurt, dance, dame, dame, trombone, dame, dame, bump. Très bien, merci beaucoup Machika Labaku pour ce message incompréhensible, hein, du coup, comme chacun s'accorde à le dire. Ils font les mises à jour. Très bien. Faisons une mise à jour. Tu es tellement sympa et professionnel, c'est rare. Tu veux dire c'est rare que je le sois? Ou c'est rare de trouver des streamers qui le sont? Non, mais il y a des gens sympas quand même sur Twitch. Alors, F0. Ah, il n'y a pas. Ah, il y a un tiret. F0 99. On teste F0 99 étant donné qu'il attends, étant donné qu'il n'y aura jamais de F0 GX2. Et oui, je sais, c'est dur à entendre, mais c'est réel. Je pense que c'est un bon titre de stream. Ça va bien trigger les fans de F-Zero. Je pense que c'est parfait. Pof, pof. Alors, la Switch, elle est où là? Ah bah voilà, elle est là. Faut s'allumer par contre. Merci. Bon alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à F-Zero. Mais alors, une éternité, quoi. De mémoire, il y a des aérofreins, là. Ah, oh merde, attends, il faut que je mette mon setup. Ah, attendez. Hop. Je vais quand même jouer sur le full screen, sinon c'est pas drôle. Merci. Qu'est-ce que ça donne? Salut, Shinkaria. Un titre concis comme on aime. Ah bah, bien sûr. Toujours très précisément, y a pas de souci. Quand vous jouez en ligne, votre surnom et d'autres données de jeu comme votre classement peuvent être vus par les autres joueurs. Pendant les courses, blablabla, on s'en fout. Putain, incroyable, mode 7, quoi. Qui aurait cru qu'on jouerait à un mode 7? Bienvenue, pilote novice. C'est moi. Bonjour. Avant de vous lancer la première surface, machin. Turbo ou accéléré, d'accord, glissade à droite, glissade à gauche. Faites un premier tour. Ok. Comment on accélère? Ah oui, comme ça. Oh putain, la vache. Waouh. Pourquoi je ralentis? Ah oui, d'accord. La Switch repoussée dans ses limites techniques, Trunks. Le son, ça va ou pas? Bon, bien sûr, on joue au pad analogique. Le turbo consomme beaucoup d'énergie. Si vous êtes à court d'énergie, votre machine risque de se détruire. Merde. On se croirait au GP Explorer. N'est-ce pas? Alors, est-ce que ça change quelque chose que j'utilise l'aérofrein gauche ou droite? Je crois pas, hein. Votre machine perd de l'énergie si vous touchez les barrières ou vos adversaires. Ah ouais! D'accord. Pitaria, d'accord.
Tentez d'éviter les collisions. Ok. Putain, ce putain de mode 7, je te jure. Ah. Récupérer les super étincelles semées par des tamponneuses dorées en provenant des collisions entre machines pour remplir votre super jauge. Quand la super jauge est pleine... Ok. D'accord, donc ça c'est la jauge qui est juste au-dessus. Plop, 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 plop. Ok. Il faut vraiment qu'elle soit pleine. Et là j'appuie sur A. Ah ouais, ok. Et là c'est une autoroute vers la victoire. Incroyable. Ah ouais, d'accord. Mais ça, il n'y avait pas ça sur, F0, sur Super F-Zero à l'époque. Il me semble pas. Tougoulou, tougoulou. Le moment est venu d'affronter une vraie concurrence. Lancez-vous à présent dans une course à 25 pilotes. Vas-y, hein. Ah mais du coup, c'est pas 99. Ah ouais, parce que c'est le début, c'est pour ça. Ah alors, Blue Falcon, Golden Fox, Wild Goose ou Firestring Ray. Bon, on va prendre le premier. Vas-y, go, hein. Donc là, on est en ligne, là. Hein. Mute City. Vous. C'est moi. Faut appuyer à quel moment ? Est-ce qu'il y a un super départ ? Ah, c'est des IA, d'accord. Pour prendre des virages serrés sans déraper, lâchez l'accélérateur. Ok. Attaque tournante avec ZL et ZR. Pour bousculer les adversaires. Ah ouais ! Ah ouais ! On dirait une musique d'un vieux film de la fantasy. Ah oui, donc là j'aurais dû... Il m'a rentré dedans. Mais là, par exemple, j'aurais dû plutôt utiliser... Oh merde! Je vais mourir. C'est bon. Ah, oh, ça tourne, hein, par contre. Petit motion sickness, là. Hein. Faire un boost, là je récupère ça. C'est moi qui l'ai pété? Ok. Oh shit. Oh non, je vais mourir. Je veux pas directionnel.
Ah bah je joue pas de direction. Ah, par défaut, oui, j'ai tout de suite pris ça. Réessayer, merde, j'ai pas le choix. Hein. Pas le choix de vomir. C'est parti. Ah là là, devant la ligne. Faut que j'arrête de vouloir booster. Pourquoi j'ai... Quoi? J'ai pas compris. Allez, c'est parti pour faire 5 tours de safe car. C'est parti. Ah oui, donc en fait, c'est quand les gens s'entrechoquent que ça génère des boulettes. Ah ouais! J'essaye de compenser mes erreurs en faisant un boost. Je viens de cliquer sur le lien boutique coming soon, ça arrive fort. Attends, j'ai pas le temps de vous lire. Qu'est-ce que vous me dites? Ah merde! On peut pas abandonner! Non, j'ai mis abandonner, je voulais juste mettre en pause! Je vous déteste. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Quand ton énergie est épuisée, si tu finis par une attaque, tu survis quelques mètres de plus. D'accord. Je viens de cliquer, machin. Maintenant que c'est fait, je m'en voudrais que vous puissiez passer à côté. D'accord. Je sais pas si vous avez testé le jeu dans le chat, mais je le trouve vachement addictif. Allô, pour un petit jeu gratuit. Merci Bachananas pour le 28e mois. C'est bon, on peut finir le tuto ou pas? C'est vraiment le... L'objectif, c'est de finir le tuto, quoi. Faut que j'arrête de lire le chat. Aïe, aïe, aïe. Compliqué. Mais j'ai choisi, là. C'est bon. Le tuto le plus long au monde. On dirait ce journaliste, là, vous savez, qui jouait... qui faisait le tuto de Cuphead. Ah d'accord, c'est cette jauge-là. Ah oui d'accord, on peut pas faire des tours comme on veut. Par contre, c'est bizarre, des fois ça tourne vraiment trop. Quand on va sur le pit stop, ça nous... on ralentit, non? Je sais pas. Ah si, on peut faire ça. On utilise le boost pendant qu'on passe. Merde, putain, j'ai un réveil qui sonne. Mais on peut pas mettre le jeu en pause. C'est terrible. Terrible ce qui m'arrive là. Ok. Je sais pas si vous entendez le réveil. Infernal. Non. Ah la vache, mais dès qu'on touche un mec, on meurt direct. Non. Putain, mais j'arriverai jamais à le finir. Pourquoi tout le monde m'emmerde? C'est incroyable, ça! J'ai reçu 4 mails. Non mais je vous jure qu'à un moment donné,
On arrivera à terminer ce tuto. Hein. Alors. Mute City. Allez, cette fois, c'est maintenant. Ah. Ok. Putain. Je pense que ce shortcut là, je vais le prendre maintenant. Merde. Première place. Si, je suis toujours à 453 km/h. Hein. Putain, mais on rebondit tellement, c'est un truc de ouf. Il y en a qui se gênent pas. Hein. Toujours un plaisir de te suivre. Merci beaucoup, Hippocrate, pour le 82e mois. Nice. Comment je te l'ai explosé, lui ? Et merci, Greyshim, pour le subgift. Je suis bien, là. Oh, je suis bien. Ah, ça aura pris du temps, mais ça y est. Ça y est, là, je suis ok. Putain. Je peux pas utiliser mon boost tout de suite. Là. C'est oui. L'adrénaline est présente. Hein. Ok. Continuez. F0 50. Course à 50 pilotes. Ah ouais, ok. Et après, ça va être 99. Mais comment la barre de vie peut tenir s'il y a autant de joueurs sur la ligne? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je fais? Je garde le même ou... Réparation. Celui-là est mieux en réparation. Tenue de route. C'est peut-être pas mal, ça. Top 1. Top 1 contre des IA. Du tuto. C'est une autre piste, je la connais pas. Essayez d'arriver dans les 35 meilleurs à la fin du 4e tour. OMG, bientôt les 3 ans. Merde. Oh putain. Oh, le bordel. Je vois à quel endroit exactement. Petit boost là. Ah, c'est vrai que mon vaisseau résiste mieux théoriquement. Ok. Ah
5 pilotes sont hors course. Ah, parce que là, si ça explose, c'est fini, quoi. Ah oui, ok. Ah, insane. Trop bien, top 1. Bon, contre les IA, mais... top 1 quand même. J'ai l'impression qu'ils me clouent sur place en fait. Comment ils ont autant de vitesse eux? Ah oui, ils utilisent plus de boost. Le truc c'est que c'est assez hallucinant à quel point le boost consomme de l'énergie. Doudou. Combien j'ai fini? 9ème, pas si mal. Merci Gréchim pour ton 34ème mois de sub. Merci énormément. Merci, merci. Toulou-tou. 99 pilotes. Oh non de Dieu. Ok, ok, ok. Vos rivaux sont choisis parmi les pilotes de compétences équivalentes à la vôtre. Ah bon? Attends, Nintendo aurait mis du matchmaking dans un jeu online? C'est ça que vous êtes en train de me dire. Je peine à y croire. Mais je ne demande qu'à être surprise. C'est souvent ce que je dis quand j'arrive dans une orgie. Alors, Mute City 1. Ça, c'est le premier circuit. Ah, s'il y a vraiment un matchmaking, c'est insane. Ah mais la piste est méga large. À une meilleure position, votre niveau augmentera, d'accord. Ah oui, d'accord, et là on arrive sur la piste. Ah, c'est pas mal ça. Je crois que tout le monde le prend, le shortcut, hein. Je suis sûr qu'il a déjà joué, lui. Mais là, genre, j'ai rattrapé le dernier, c'est ça? Je peine à y croire. Ceux qui sont en gris, c'est quoi, en fait? Ah, ça, c'est encore des bots! Ah, j'ai cru que j'étais trop doué, là. À partir de quand le jeu nous laisse jouer contre des humains? Merde. Fuck. Allez, top 1! C'est la dernière partie du tuto. Ok, 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 ok. Trop bien. Vous avez battu 4 de vos rivaux. Pou, 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 pou. Dou, 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 dou. Bon, c'est fun, hein. C'est fun, c'est fun. 2-0-4 au tour. Non, 2-0-4 au total.
niveau 2. En ligne. Yes. Yes. Ah, il faut des tickets. Événement spécial, circuit pro. Bah, vas-y, hein. Oh putain, ça y est, on y est. Georges, Temri, Brendou, Prime X, Nerdy Kid, Hero, Toko, Cheese, Cheezers, Jesus Christ. Ah, il fallait voter, d'accord, pour le circuit, ok, ok. Allez, putain, c'est mon premier circuit online. Merci, What's Ginon. Merci beaucoup pour ton 25e mois. Merci pour le soutien. Mute City. Oh putain. Oh putain. Ah oui, d'accord. Tu sens que les mecs ils en ont gros sur la patate, hein. Oh putain, la vache. Ah ouais. Oh, le bordel que c'est! Mais comment tu vas t'en sortir? Ça n'a aucun sens! Après, plus t'es derrière, plus tu récupères les orbes. C'est ça qu'il faut voir. Ah ouais, putain, la vache! Oh, le turbo bordel. Ah bah ça sert à rien du coup. Ah mais c'est incroyable la sensation en fait. Ah ouais, par contre t'as intérêt à spammer dès que tu peux quoi. Oh l'adrénaline. Je suis choc-barre de l'adrénaline. Ok. 46e. Eh, hey, c'est pas si mal, hein. Attendez, vous savez quoi? On va mettre à l'écran... Toutes les astuces du jeu dans les options, ça aide forcément. Ok. Ah ouais, j'ai fait des KO. Alors attends. 19-7-19. Quoi? Ah oui, merci beaucoup, Murasaur, pour ton 19e mois. Rank 46. Voilà, je vais mettre tous mes ranks en bas de l'écran. Comme ça, on va pouvoir voir si je progresse ou pas du tout. Ou si je pue la merde. Le bruit lorsqu'on se saoule me rappelle fortement les bruitages de PC Man. Est-ce qu'il se déplace? PC Man. Ah ouais, ouais, non, mais c'est pas mal, hein. Donc là, j'ai gagné des tickets. Niveau 3. Prix sont organisés tous les 30 minutes. Faites le plein de tickets pour finalement vous monter dans le classement. Ok. Merci Nog29 pour le 6e mois. Vous contrôlerez mieux votre machine dans les miroirs. Un virage serré avec la... Ah ouais, en relâchant. Il faut mieux... Il faut release dans les virages serrés, ok. Big Blue. Oh. Il n'y a que deux circuits en fait.
Je suis dans ta partie. Ah ouais? Vous êtes en train de me stream hack? Ok, ok. Ah merde, j'aurais pu prendre le boost. J'ai tout raté. Oh, je suis 89ème. Ça s'annonce mal. 88ème, merde. Donc en fait... Si je comprends bien, il vaut mieux faire... Pour les petits virages, il vaut mieux utiliser les aérofreins, c'est ça? Parce qu'en fait, je n'utilise jamais les aérofreins. J'ai du mal à voir... Ok. C'est chaud. Dernier tour. Truc rouge là, je sais pas ce que c'est. Hein. Je vais mourir. Non. Ah oui d'accord, et si on meurt, la partie finit direct, on respawn pas. Ah. Ok, d'accord. Donc là, j'ai fini combien? 54ème. Pas ouf. Ah non, 80ème. Nul à chier. 80ème. Ah, oh, c'est marrant. Par contre, ça va vite, hein. Vingt-sixième, t'as fini, ouais, nice. Mais le gros vaisseau, du coup, c'est quoi? Glissade gauche ou droite? En fait, c'est ça que je comprends pas. Quel est l'intérêt de faire des glissades avec les gâchettes plutôt que de faire gauche et droite avec la direction? Il faut taper le véhicule doré, ça augmente plus vite la barre. Ah, ok, ok, ok. Mais ça, je savais pas. Tu as trop cramé avec le boost et ta voiture met du temps à regen. Ouah, toujours Mute City. Hein. Le gars à 99 victoires. Ah. Mais ils ont dit qu'il y avait du matchmaking. Non. Ils m'ont écarté du boost. Déjà tellement de petites gouttes là.
tellement agressif. J'ai pas réussi à le toucher le truc, hein. Toc. Je crois que j'en ai bourré un là, il me semble. Merde. Allez, allez, allez! J'aurais peut-être pu l'utiliser plus tard. Oh, le bordel! Allez! 21, pas mal. Tu prends les cours plus serrés avec les gâchettes. D'accord, d'accord. Ok. Faut au moins faire un top 10. Si je fais un top 10, je lance Trombone Champion. C'est dit. Mewtwo, Fan, Kazoo, Elforion, Trae, Lokeria, Lator. Ouais, je sais qu'il y a des trucs dans les options, mais j'ai envie de jouer un peu pour l'instant. Ah, Big Blue! Big Blue, je la connais pas. Vous. C'est moi. Merde. Oh merde. Oh le bordel que c'est, quel enfer. Shit. Là, surtout pas l'utiliser maintenant. Là je restaure ça. Voilà, là on va faire ça maintenant. Et tout le monde l'a pris, j'hallucine. Je vais mourir. Non ! Ils m'ont éclaté. Voilà, top 90 là. Top 95 peut-être. Allez, top 91. Aïe, 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 aïe. Je note, hein. Tous mes ranks. Ah, oh, Cyclose du Pit là. C'est ma rivale. Ah merde! Combat par équipe, entraînement, atelier.
Info. Option. Conseil. Non, commande. Ça, je sais. Recharger la zone, ça, je sais. Tout en maintenant B, appuyez sur A pour activer votre turbo. Bah oui, ça, c'est la base. Quand si vous lâchez l'accélérateur, ça, je sais. Ouais, ça, je sais aussi. Pendant le pilotage pour mieux négocier les virages serrés. C'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre. Ouais. Les tamponneuses grises ou rouges sont dangereuses. Ah, d'accord. Ok. Ok. Alors, maintenez B pour accélérer juste avant que Go ne s'affiche et vous ferez démarrer votre machine sur le chapeau de roue. D'accord. Si vous maintenez l'accélérateur B à fond avant que Go ne s'affiche, votre machine fera un faux départ. Mais votre moteur risque ensuite de caler... Fera un départ en flèche, mais votre moteur risque ensuite de caler quelques instants. Bah, je sais pas, parce que là, ils te disent « Maintenez B pour accélérer juste avant que Go ne s'affiche. » Et là, il te met « Si vous maintenez l'accélérateur, donc B, à fond avant que Go ne s'affiche, votre machine fera un départ en flèche, mais votre moteur risque ensuite de caler. » Bah, faudrait savoir. C'est pas clair, cette histoire. Dernier moment. Ouais. Curieux. Appuyer juste avant et ne pas le maintenir. C'est dans le laps de temps entre le troisième point et le go pour un départ parfait. Tu appuies à go et pas avant. J'ai du mal à comprendre quand même. C'est 3, 2, 1. Là on appuie. Deathwing, ça je connais pas ça. Faut maintenir une fois que tu appuies. Oh, c'est pas clair. Ah, j'ai réussi là. Oh l'enfer, le vent. Is this a joke? Is this a fucking joke? Je suis 94e, je le vis très bien. Oh putain. Oh putain. Ah oui d'accord, le pit t'es obligé de passer dessus. Mais c'est extrêmement dur! Ah, pile sur la ligne droite. Parfaitement inutile. Nice. Ah ouais, ok. Ah, je suis tellement mauvaise que je suis hors course. Oh, c'est rude. Ah, c'est très dur à accepter. Bonus ? Comment ça, bonus ? Percutez votre adversaire pour gagner des points bonus. Ah ouais. C'est quoi ? C'est l'auto-tamponneuse de la dernière chance, c'est ça ?
Merci Otona Shield pour le Prime. Saboteur un autre, oui, ouais, ok. Bah ouais, bah je suis quand même 91e en fait. Très bien. Donc deux fois 91e d'affilée. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de lancer Trombone Championne. Je sais pas pourquoi. Juste une impression. C'est constant. Oui, c'est constant. Oui, oui, oui. Ah, ta gueule. Deathwind en entraînement. Ah, par contre, le jeu, il bouge. Hein. Alors que Trombone Champion, bon. Big Blue. Big Blue, ouais. Faut que je m'entraîne sur Big Blue. Ah! Je crois que j'ai réussi là. Nice. Oh, vous êtes sérieux? Là, c'est tentant, mais il faut pas que je l'utilise. Merde, putain, j'ai fait sans faire exprès. Au moins, ça me permet de passer la mêlée. En fait, je vois vraiment pas la différence entre quand on freine avec les aérofreins. Ou quand on fait juste gauche ou droite, quoi. Je vois vraiment pas la différence d'un point de vue gameplay. Oh! Mais à chaque fois je le mets ici. J'arrête de faire ça. Michel. Il y en a un, il s'appelle Michel. Quel bordel sur la fin. 49e, allez, c'est déjà ça. Faut combiner les deux dans les virages serrés pour drifter. Donc ouais, direction plus 4 KO j'ai fait. 49e. Est-ce que ça dérange si j'explique la mécanique des tremplins? Bah non, vas-y, enfin, vas-y toujours, je suis pas sûr de comprendre, mais vas-y. C'est pas plus possible, le jeu à croix directionnelle? Bah moi je joue à la croix directionnelle de la manette pro Switch, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. La manette que j'utilise, c'est... c'est celle-là. Et j'utilise avec le... Je joue avec le D-pad, ouais.
sang d'océan, mais je connais pas ça. Après, la... attention, je vois que vous me comparez avec MV. N'oubliez pas que MV, c'est une de ses franchises préférées. Moi, la dernière fois que j'ai joué à F-Zero dans ma vie, c'était il y a 20 ans. Et encore, j'ai jamais trop dosé. Dernière place, really quickly. Ok, le pit à droite. Putain. Oh la vache! Le massacre! Ok. J'ai un tout petit peu de temps de répit. Aïe 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 aïe. En fait, je me trompe de bouton entre tournoyer sur moi-même et lancer le boost. C'est ça le problème. 80e place. Aïe aïe aïe. Je crois que c'est encore pire que mes ranks sur Tetris 99. En gros, les tremplins, quand tu le prends, si tu mets la croix directionnelle vers le haut, tu fais un saut court et vers le bas un saut long. Et lors de l'atterrissage, il faut mettre la croix directionnelle vers le bas pour ne pas perdre de vitesse. Ah ! Ok. Ah, je suis pas dernière. Ah non, ça c'est sûr. Effectivement. J'utilise pas le boost. Ah non, mais en fait, la plupart du temps, quand j'utilise le boost, c'est sans faire exprès, en fait. C'est pour vous dire mon niveau. C'est pas que je sais pas utiliser le boost. C'est que là, j'en suis à l'étape de ma vie où je me trompe de bouton et que je booste sans faire exprès. Je sais que vous, dans votre tête, vous vous dites « Ah, bah, elle fait sûrement... Elle essaie de trop grid le boost. » Non, non, non. La plupart du temps, quand je booste, c'est qu'en fait, je veux tournoyer sur moi-même pour faire une attaque. C'est juste que je me trompe de bouton à chaque fois. Je vous ai dit que j'étais pas très doué. J'ai pas menti, hein. Après, pour un jeu gratuit, c'est sympa. Hein. Enfin. C'est quoi ton rapport à F-Zero pour situer? Bon, je sais pas, j'ai dû jouer une heure ou deux à F-Zero sur SNES. Et j'ai dû jouer peut-être 2 ou 3 heures à F-Zero GX sur GameCube. Et voilà, c'est tout. Hein. Voilà mon niveau sur F-Zero. Ça vous permet de situer. Oh putain. Là, typiquement, j'ai boosté alors que je voulais pas.
Ah, pour une fois, je l'ai bien utilisé, ça. Ah, donc ceux qui ont de la fumée, il faut leur foncer dedans, quoi. Je crois que j'ai fait 49. Ouais, c'est bon, 49. Ok, l'honneur est sauf. Ah, j'ai buté 3 personnes. Ah, les musiques sont très très bien, hein. Ça c'est une évidence. Mais oui, non, en tout, tout épisode de F-Zero dans ma vie confondu, c'est une série auquel j'ai dû jouer peut-être 3 heures. 3 ou 4 heures, peut-être, à tout casser, quoi. Là, j'en suis à rank 46, 80, 21, 91, 91, 49, 80, 49. Ouais. Pas si ouf, hein, quand même. Les virages étaient mieux pris, ouais, tu trouves? Donc, c'est quoi, alors? Donc, il y a Big Blue... Il y a Wind machin, Sand d'océan, donc 3, ça fait, il y a 4 circuits alors. Wipeout 99, ouais. C'est marrant cette... C'est par là. Ah merde, le gravier. Je suis à la dernière place, putain. Celui-là que j'ai pas réussi à finir tout à l'heure. Nice. Je vais vraiment foncer dedans. Ah oui, d'accord, mais en fait là-dessus on peut pas se prendre les bords, donc on peut bourrer. Ah, mais moi je me... quand j'étais sur la voie céleste là depuis tout à l'heure, je m'emmerdais à essayer de bien prendre les trajets et tout. Mais en fait tu peux bourrer les bords, tu gardes ta vitesse. Ah, je comprends des choses là. Je pense que je freine trop tard globalement. Allez, go!
Ah oui, donc là, il reste déjà plus que 69... Putain. Ah ouais, d'accord. Les gens, ils meurent à une vitesse sur ce circuit. C'est un truc de ouf. Tu vois, là, j'ai pris trop large une fois de plus. Merde. Là, j'ai fait le boost sans faire exprès. Ah oui, en plus, tu sais où les gens meurent. Ok, je suis en vie. 38e. Eh, c'est une bonne place à mon échelle. Hein. Très bonne place à mon échelle. Hein. C'est le GP Explorer 3. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, non, c'est bien. Hein. Ça fonctionne bien. C'est vrai que le côté bordélique rajoute... Ouais, non, ça rajoute un truc. J'espère trop qu'ils vont sortir Zelda Link's Awakening 99. À 99 dans un donjon. Pikmin 99. Les parties sinueuses, ouais, bien sûr. Force World 99. Katamari 99, voilà. Gerbotron suprême. Salut Kion. Quel punchline. What a punchline. Ah lui, il a calé à gauche là, tiens. J'ai déjà un quart de jauge quasiment. Alors que ça a à peine commencé. J'adore le bruitage là. Let's go. Non! Putain, j'ai été bon qui est sorti de terrain! Holy shit! J'ai fait 500 km de conduite, je suis lessivé, je me sens vieux. Ah, 500 km, ouais, c'est beaucoup, hein. Putain, top 90, je me fais littéralement humilier. J'ai l'impression que je suis dans mes 500 premières heures sur PUBG. Oh la vache! Oh, la raclée déculottée, quoi. OMG, quoi. Big Blue ou Mute City? Vas-y, Big Blue. Non, Mute City. Oh, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On en fait encore une ou deux? 4h45. J'ai pas encore pris de pause aujourd'hui, c'est pas bien. Hein. J'ose pas comparer, mais j'avoue, elle repensait à la même chose depuis le début.
premières games sur PUBG. Enfin, mes premières games, tu veux dire, mes 400 premières games sur PUBG, oui, ça ressemble à ça, ouais. Ouais, tu peux, hein, tu peux le dire, hein. Je me souviens que t'étais là, Mastermind. T'étais là à m'expliquer la méta de la visée. C'était passionnant, d'ailleurs. J'ai vraiment une relation étonnante avec PUBG. Hein. C'est un jeu que j'ai autant adoré que détesté. Je sais même plus c'était quand ma dernière session sur le jeu. Il y a très longtemps, ça c'est sûr. Alright. Go. Ce qu'il faut, c'est absolument choper les boosts là. Double shortcut, je le prends. PUBG, c'est quand même un des rares jeux qui m'aura permis de jouer avec tellement de monde. Que ça soit des viewers, des modos, des streamers. C'est grâce à ça que j'ai rencontré plein de gens. Après, c'est vrai que PUBG, quand t'as pas un bon niveau, en stream, c'est compliqué parce que bah c'est relou, quoi. C'est beaucoup de rien qui se passe pendant... Moi, j'adorais jouer avec Mademoiselle Choco, quoi. Qu'est-ce que c'était drôle. Et puis, elle était vraiment balèze, Choco-chan. Ah merde, il y avait le golden truc. Le golden retriever là. Allez go. Eh pas si mal. Ah ouais, avec Mademoiselle Choco et qui balançait des dingueries sur dingueries, je me souviens. C'était un truc de ouf. Vous vous souvenez de PUB jeudi? C'était tous les jeudis soirs, enfin tous les jeudis fin d'après-midi, on jouait à PUBG. Souvent avec Zul. C'était trop bien, j'adorais cette période, c'était trop cool quoi. PUB jeudi. C'était vraiment un nom de merde. Mais c'était le rendez-vous. J'ai plus de 2000 heures sur PUBG. Ça a été mon premier FPS compétitif clavier-souris à 34 ans, plus. J'en ai chié aussi, mais rentrer dans le top 100 européen, ça peut être facile. Ah ouais, putain. Je savais même pas qu'il y avait un ranking comme ça. Moi, je considérais que quel que soit mon rank... Je me disais, réussir à buter ne serait-ce qu'une personne, c'est déjà pas mal. Merci Nosferia pour le Prime, merci beaucoup. La moitié des parties qui se finissaient par des morts en véhicule, ouais. Little Big Whale qui râlait qu'elle jouait mal alors qu'elle amenait seule la team dans le top 1. Non mais c'est surtout que Trivia, chaque game, elle finissait avec plus de 10 kills. Ce qui est vraiment énorme, quoi, en fait. Enfin, à échelle PUBG, bien sûr, c'est... Elle a fait des games à 15... Des fois, même, je me souviens, je mourais. Et le temps qu'elle vienne me raise, elle avait le temps de buter deux équipes entières. Donc, 8 personnes. Fait, ouais, j'arrive, Danum, attends, bouge pas. Attends, chut, dis rien. Là, t'entends 3 coups. Tu fais, ouais, c'est bon, j'ai fait 3 headshots. Ah, ok. Ah mais Trivia à l'époque où elle joue encore de temps en temps, mais à la grande époque où Trivia jouait énormément, genre chaque game, elle faisait jamais moins de 10 kills, quoi, tu vois. C'était incroyable. Elle a fait des games à quasiment 20 kills, enfin c'est lunaire, quoi. Et encore, elle est même pas considérée comme pro. Elle a jamais été pro. Hein. Les pros vraiment sur PUBG, c'est impressionnant, quoi. Les stratégies de déplacement et tout. Non, c'est un jeu qui est passionnant, mais alors, ça demande tellement d'implication pour
juste comprendre comment se comporter sur une map, quoi. J'ai testé une fois PUBG, je roulais sur les gens avec un véhicule. Je suis pas trop fan, j'ai l'impression que le perso glisse dans le jeu. Ah ouais? Glisse dans le jeu? Dans ma team, il y avait un gamin de 16 ans qui est semi-pro maintenant. Mais il y a encore des tournois PUBG, vraiment? Allez, c'est la game où je vais finir top 10. Ça m'éclate comment tout le monde prend le shortcut. Enfin, qui n'est pas vraiment un shortcut d'ailleurs. Pas mal, pas mal. Putain. Oh, j'aurais jamais dû faire ça. Si je touche un mec, c'est mort. Ouais, bah c'est mort. En fait, je voulais boost une seule fois sur le dernier tour et j'ai boosté deux fois sans faire exprès. PUBG en Asie est toujours un gros jeu à ma connaissance. Oui, mais c'est surtout PUBG mobile. PUBG tel que nous on le connaît derrière un ordinateur, il y a encore tant de gens que ça qui y jouent. En Asie et même USA. La scène est cool à suivre, même si je regarde plus trop. Car en France c'est mort. Ah ouais, d'accord. Ouais. Hmm. 83. Bon, on en fait une der, et après on teste trombone championne. $175,000 joueurs actuellement. Ah ouais, putain. Big Blue ou Mute City, bah vas-y Big Blue. Ouais, mais ça se joue quand même encore beaucoup. Allez, ultime Mute City, c'est pour maintenant. Attention, le top 10, vous l'avez pas vu venir, bah il est maintenant. C'est vrai que je suis toujours devant. Ah mais en fait, depuis tout à l'heure, j'utilise le même vaisseau aussi, c'est peut-être ça. Peut-être ça qui me pose problème. Ok, l'utilisation était correcte. Putain, mais... Ah, la science du drift, ça me paraît toujours bizarre. Hein.
même en jouant giga agressif, j'arrive pas, quoi. Ah merde, il restait un tour. Putain, je pensais que c'était le dernier. J'aurais jamais cramé ma... Ok, d'accord. Je le vis très bien. Let's go là-dessus. OMG. Putain! J'étais top 1, putain! Je comprenais pas pourquoi il y avait des mecs en rouge. J'ai oublié qu'il fallait pas les toucher. From première to 83e place en l'espace d'une frame. Non. J'ai fait deux fois 83e place d'affilée. Bon, on en fait une dernière quand même. Je peux pas finir là-dessus. On peut pas finir là-dessus, c'est pas possible. Cette fois, c'est la dernière. Mais pour de vrai, pour de vrai. Chaque chaos augmente la capacité de la jauge. Ah. Là, c'est une défaite assez vénère quand même. On peut pas rester là-dessus. Bu-di-du. Ok. Vous êtes prêts? Oh putain, mais Big Blue, je la connais pas en plus. Merde, merde, merde. Ok, mon but, c'est juste de finir la course. 3, 2, 1. Ok, mes démarrages sont pas trop mal. T'as beau essayer de bien prendre les virages, c'est pas possible. Quand il y a un pseudo avec une flamme, ça veut dire quoi? Ton rival, mais ça veut dire quoi ton rival? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a le même niveau que nous, qu'on essaie de target, c'est ça? Oh non, je l'ai utilisé là-dessus, non. Ah mais le gravier, ça fait si mal à la vitesse. Ok, je pense qu'on peut finir là-dessus. Je pense que ça serait décent de dire qu'on finit là-dessus. Ça mérite un tweet.
F0 99, virgule, première session. Ah merde, j'ai posté le tweet, mais j'ai pas mis de photo. Du coup, je vais recevoir une notification de X qui va me dire « Vous savez que vous feriez plus de reach si vous postiez des photos en même temps que vos tweets ?» Connard. Eh ben, c'est très fun. C'est très fun, c'est très fun. Mais vous savez ce qui est très fun ? Ce qui est plus fun que des vaisseaux qui vont très vite ? Jouer du trombone, effectivement. Mais tout d'abord, eh bien, des tétrominos qui vont très vite. Ça, c'est vrai que c'est très fun. C'est bien, il y a le choix entre Dame Dame et Dame Dame Live. Non, il faut surtout que je prenne une pause. Attends. Je voulais juste afficher un écran qui soit pas blanc et qui m'éclate les yeux. Ok, orange. Des pouillots qui vont très vite. C'est vrai que c'est fun, ça aussi. Ça fait une moyenne de 63. Putain, t'as calculé la moyenne ? Ah ben, pour une première session, c'est pas si mal. Hein. Je voulais juste que l'écran ne soit pas tout blanc. Ok, alors attends. Dans ce cas-là, je vais faire ça et je vais revenir là-dessus. Ok, très bien. C'est la pause. Car j'en ai besoin. Quelle heure... Putain, mais il est 20h! Ok. Tout de suite, c'est la pause. Et quand je reviens, on fait du trombone. Excusez-moi, dans ma tête, il était à tout casser 19h. Je reviens.